effet, oui. Par contre, c'est bon. Ça marche. Par contre, t'as fait un drôle de sang. Hein. Isaac. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut pas que tu stoppes trop près de ça. Ah ouais, d'accord. Ça, sinon, t'as un lac. Se saluer les uns les autres, hein. Tournez-vous à gauche, tournez-vous à droite et saluez-vous par un saint baiser. Vous avez la possibilité de vous déplacer si vous voulez. Allez dire bonjour à celui qui est à votre gauche, à celui qui est à votre derrière vous, à celui qui est devant vous, à celui qui est au-dessus de vous. Et de ce dans toute la langue que vous voulez. Si vous parlez français, saluez-vous en français. Si vous parlez créole, saluez-vous en créole. Si vous parlez anglais, saluez-vous en anglais. Et si vous parlez malgache, saluez-vous en malgache. Si vous parlez lingala, saluez-vous en lingala. En togolais, saluez-vous en togolais. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Herbert. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Non, mais c'est trop calme là. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. C'est toujours calme là. Je vais dire... Non. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Est-ce qu'il y a-t-il des gens dans la joie dans cette salle? Amen. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants, des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement, sa fidélité de génération en génération. Béni soit l'Éternel, c'est le psaume 100. Est-ce que nous pouvons encore le répéter tous ensemble? On va lire tous ensemble. Église,
Je vous invite à lire le psaume 100, chant de reconnaissance. On y va, tous en 1, 2, 3, on y va. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. La terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec en sa présence. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec de chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon et sa bonté dure éternellement. Sa fidélité des générations en générations. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans la joie ce matin? Nous voulons célébrer l'Éternel comme un seul homme. Vous savez, nous sommes d'horizons différents, mais nous sommes un en Jésus-Christ. C'est pourquoi, comme un seul homme, nous allons faire une montée, nous allons monter notre louange, faire monter notre louange, notre acclamation, nos danses à l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à relever ces défis? Qui veut chanter ce matin pour l'Éternel? Amen. Nous allons chanter. Ce chant est connu par tous les chrétiens du monde entier. Et il faut le retenir parce que là-haut, apparemment, on va le chanter. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. La Bible dit dans Romains 1:20, il est dit, l'univers est inexcusable parce que les perfections de Dieu, sa puissance éternelle se voit comme à l'œil nu. Le monde est inexcusable pour ne pas adorer Dieu. Alors ce matin, j'aimerais t'inviter à te lever. Les enfants, vous aussi, nous allons nous lever, nous allons chanter pour l'Éternel. Amen. Dieu Tout-Puissant. Tous ensemble. Amen. On y va. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins, oui, le sombre du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es de tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par le bois et la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur le mont, la source avec son onde livre aux fils au chant doux et les jours. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser la mort, que ce Fils est devenu
va demander au juste annonceur de chanter de tout mon être. On y va. Maestro, on y va. De tout. Juste les femmes. Juste les sœurs. On y va. Deux, trois. Ensemble, de tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant. Que tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Que tout puissant, que tu es. Tous ensemble, on y va. De tout mon être, alors s'élève un chant. Que tout puissant. Applaudir pour les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Jésus-Christ, j'ai cité, nous sommes là pour toi et toi seul, éternel. Seigneur, il n'y a point de Dieu qui te soit comparable, Père. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence. La Bible dit, alors j'ai vu des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue. Ils se tenaient vêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu ». Et à celui qui est assis sur le trône, Seigneur, tu es digne, Seigneur, d'ouvrir le livre de vie, Seigneur, d'en rompre le sceau, car tu as racheté des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Ils régneront sur la terre. Alors, comme nous sommes des sacrificateurs de Dieu, nous voulons continuer à adorer les seigneurs. La Bible dit, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent et adorèrent Dieu. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour toi. Jésus, nous voulons te dire merci. Béni soit ton nom, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Jésus. Tu traces un chemin, tu traces la voie. La Bible dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, autrefois, j'ai cherché la vérité dans les études. C'est vrai, je n'ai rien contre. Mais je n'ai pas trouvé la vérité. J'ai cherché dans la philosophie, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché dans le monde m'a déçu. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, ce matin. Nous venons nous prosterner parce que tu es la voie. Jésus, tu es le chemin. C'est lui qui mène au Père. Seigneur, j'aimerais vous inviter, bien-aimés, à chanter ces chants. Seigneur, béni soit ton nom. Tu es digne de louange. Merci, Seigneur. Trace ta voie. Je me prosterne, je suis le Dieu fidèle, on y va. Tu es le Dieu, auteur de lumière, Dieu de lumière, Dieu
merci. Seigneur, toi qui guéris le malade, Jésus, nous voulons te dire merci pour ta vie. Juste la musique, s'il vous plaît. Bien-aimé, là où tu es, tu peux élever ta voix ou dans le silence, commencer encore à adorer. Tu as déjà commencé chez toi, à la maison. Lève la voix, commence à adorer celui qui est la voix, Jésus-Christ. C'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui restaure les familles. Jésus est son nom. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Gloire, honneur et louange, Seigneur, te soit rendu. Béni sois-tu, puisque tu règnes. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu es venu nous chercher alors que nous étions dans la misère. La Bible dit, rendez grâce au Père. Il vous a rendu capable. Il vous a arraché du monde des ténèbres pour vous ramener dans le monde de son Fils, en qui vous avez le pardon, la rédemption, les pardons de vos fautes. Bien-aimé, lève ta voix, commence à adorer l'Éternel. Il est écrit que ces 10 lépreux ont reçu la guérison à la rencontre du Christ, mais un seul est revenu vers Christ pour lui dire merci. Bien-aimé, dis merci à Dieu pour la santé qu'il te donne. Dis merci à Dieu pour la nourriture. Dis à Dieu merci pour ta famille. Remercie le Seigneur parce que tu aurais pu quitter cette terre sans le connaître. Et la voix, c'est Jésus, je te rends grâce. Seigneur, merci. Lève ta voix. Honore l'Éternel. Seigneur, merci. Gloire à ton nom. Tu es Dieu. Nous te rendons grâce, Jésus. Certainement quelque chose à dire au Seigneur. Ce matin, libère-toi devant l'Éternel. Il est là et c'est ton Père, il nous écoute. Il a dit, mes brebis, oui, entendent ma voix et me connaissent et me suivent. Tu peux lui parler. Tu peux lui parler là où tu es. Adore l'Éternel, ton Dieu. Il te connaît. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Il connaît, il n'est pas indifférent à tes soucis. Il n'est pas indifférent à ta maladie. Il n'est pas indifférent aux questions sans réponse de ta vie. Jésus est présent au milieu de nous ce soir. Nous te rendons l'honneur. Jésus, merci. Merci Seigneur. La Bible dit en effet, le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. En effet, les hommes ont préféré les œuvres des ténèbres, de peur que leurs œuvres soient dévoilées dans la lumière. Mais toi, tu es enfant de lumière parce que tu as confessé Christ. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela. Merci, tu nous connais par notre nom. Jésus te connaît par ton nom. Il n'est pas indifférent, bien-aimé. Mais dis pas à ton cœur, Dieu m'a oublié. Mais dis pas à ton cœur, pourquoi cette situation perdure. Le Seigneur est là. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Seigneur, nous voulons encore t'adorer ce matin. Cet amour. Dieu qui crée tout l'univers,
par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui nous donnent en famille. Nous allons faire monter des prières, des cantiques, des actions des grâces à l'Éternel. Je te rends grâce, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Merci, Père. Il est écrit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire que tu es créé pour lui, pour adorer le nom de l'Éternel. Tu es né pour adorer le nom de l'Éternel. Nous sommes nés pour lui. C'est pourquoi nous voulons lui dire de tout notre cœur merci ce matin. Tu as certainement une raison pour dire merci à Dieu. Tu as certainement une raison pour adorer l'Éternel. Bien-aimé, ce matin, je t'invite à cela. Peut-être que tu ne l'as jamais fait et ce matin, je voudrais t'encourager à prier. À prier. Que ton Père, dans les silences, t'écoute. T'écoute. Béni soit ton nom, Jésus. Merci. Les enfants, vous aussi, vous pouvez prier. Thank you.
de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour ton gloire. Jésus merveilleux dans qui est semblable à toi, ô Dieu. Sois ton nom, Jésus-Christ. J'aimerais des enfants. Les enfants, est-ce que vous savez ce qui est merveilleux ici sur la terre? Est-ce que, qu'est-ce qui est merveilleux pour vous? Qu'est-ce qui est merveilleux pour vous, les enfants? Vous dites, waouh, ça c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous utilisez cette expression. Oh, c'est merveilleux. On dit plutôt, oh, c'est cool. C'est quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est merveilleux pour vous sur la terre? Alors, on va faire un mini jump ici. Alors, il y a quelqu'un qui a une réponse ou pas? Vous allez vous faire aider par les grands. Qu'est-ce qui est merveilleux? Le papillon. Oh, le papillon, ouais. J'ai essayé avec mes enfants à retenir les noms des papillons, en fait. Mais c'est pas facile. Ouais. Les noms de papillons. J'ai retenu les sphinx. Oui, Timé, parfois. Nous. Ah, nous. Quand je regarde Laetitia, je me dis, waouh. Nous. Et je suppose que quand elle me regarde, elle aussi. Waouh. Tu es merveilleux. Amen. Voilà, donc l'être humain est merveilleux. L'être humain est le projet de Dieu. Les projets de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas mort pour des arbres ou des animaux. Il n'est pas mort pour les montagnes ou pour des roches. Non, Dieu est mort à la croix pour toi. Et c'est pourquoi j'avais un court témoignage avant de passer la parole à mon frère Albert. Vous savez, quand j'étais enfant, les enfants, j'étais malade. J'avais une bronchite chronique. C'est-à-dire que quand je dormais, ici dans cette pièce, dans l'autre pièce, on entendait ma respiration. Et ma mère devait venir chaque fois. C'est dans le plus beau pays du monde, mon pays. Dans la RDC. République démocratique du Congo. Vous voyez le charme du nom démocratique du Congo. Et je voulais vous dire, j'étais
j'étais très malade. Ma mère devait me ramener tout le temps chez les médecins. Mais on ne trouvait pas de solution. On ne trouvait pas de solution. Et quand j'étais... Et mes parents, toute mon enfance, m'ont ramené, au fait, à l'hôpital pour être traité. Mais c'était difficile. C'est en grandissant qu'au fait, que ça disparaît. Mais je voulais dire, pourquoi je m'appelle Magloire, à votre avis? Ah, toi, tu connais la réponse. Ouais. D'accord. Ah. Oui. Bon, vous connaissez la réponse, je vais... Je m'appelle Magloire, simplement parce que, non pas, c'est ma propre gloire, c'est ma mère a eu, on avait des problèmes de trépanocytose dans la famille. Ma mère a eu 3 enfants qui sont morts avant moi, en fait. Elle a fait une fausse couche, elle a eu un mort-né. J'ai eu une grande sœur qui a vécu jusqu'à l'âge de, je crois, 6 mois, qui est décédée. Et puis, il y a un autre garçon qui est mort aussi. Vous savez, dans ces années-là, la prise en charge lors des accouchements était très compliquée. Donc ma mère avait peur, elle était découragée. Alors il a dit à mon père, je ne veux plus d'enfants. Mais moi je suis arrivé, et mon père me disait toujours, pendant l'accouchement, ta mère a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang. Elle a perdu beaucoup de sang, on devait la soigner, tu étais sortie, mais elle, on devait la soigner, c'était compliqué. Alors que cette fois-ci, quand le médecin m'a ramené, montré le bébé, et j'ai dit, oh Seigneur, ma gloire. Et c'est pourquoi je m'appelle Magloire, en fait. C'est pourquoi je m'appelle Magloire. Et mes parents m'ont dit ça. Dieu m'a libéré de la maladie. J'aurais pu mourir, en fait, très jeune. Parce que mes aînés, que je n'ai pas connus, ont souffert de trépanocytose. C'est une maladie aujourd'hui qui est médicalement incurable. Hein, aujourd'hui. Mais Dieu guérit encore aujourd'hui. Le Seigneur, et c'est lui qui guérit. Quand j'étais enfant, j'ai croyé aussi aux esprits. Vous savez, dans les films d'horreur, quelquefois, les esprits. Hein, je déconseille les films d'horreur. Hein. Je regardais ça avant. Mais Dieu m'a libéré même des films d'horreur. Mes propres parents m'ont fait subir, en fait, des rites ancestraux. Des rites ancestraux, ils ont parlé sur moi, Et quand j'ai grandi, devant une boîte de nuit un jour, je voulais danser, je suis allé devant une boîte de nuit, et là je croise une fille qui m'a dit bonjour. Je me suis dit, oh, certainement, il va se passer quelque chose là. Mais en réalité, elle m'a dit, vous savez, Dieu vous aime. J'ai dit, il y a un problème là. Moi, je viens danser, tu gâches ma vie, en fait. Tu gâches ma soirée. Et cette femme a commencé à me parler de Dieu. Elle a eu de l'autorité sur moi. J'ai jamais rien compris. Je l'ai vue une fois dans ma vie, ces jours-là. Quelques jours plus tard, je suis venu en France. Et en France, j'habitais une rue, dans la même rue. J'étais au 18, au 22 bis, il y avait une église évangélique. Donc je ne pouvais pas louper, quoi. Je suis allé, je me suis dit, bon, je vais jeter un coup d'œil. Et je suis resté à l'église toute jusqu'aujourd'hui. Et c'est là où j'ai été mis au contact de l'évangile. J'ai connu le Seigneur. Dieu m'a libéré des colères excessives. J'avais des colères excessives. Quand je m'énervais et que tu venais me calmer, ça m'énervait encore davantage. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu m'a libéré de rites ancestraux, des colères, l'orgueil. Je me moquais beaucoup des filles. Je me moquais beaucoup. On avait des amis avec moi au Congo. On s'est moqué des filles, vous savez. J'ai grandi dans une culture où la fille, la femme, était un tout petit peu maltraitée. Je me rappelle même une fille qui était... Il ne faut même pas tomber enceinte en dehors du mariage de mon époque. Alors, on t'humiliait tous les quartiers. On te suivait. Va montrer, c'est lui qui est l'auteur de cette grossesse. Et on t'humiliait, tu étais devant, tu étais complètement humilié. Vous voyez, pour dire, de venir au Seigneur, le Seigneur change les cœurs des gens. J'aimais l'orgueil, mais le Seigneur m'a libéré de cela. J'aimais aussi regarder les films violents, le Seigneur m'a libéré des films violents. Même pour aller à l'église, je regardais téléfoot, je n'ai rien contre le foot, mais je regardais d'abord 30 minutes de téléfoot, et après je courais au culte, mais le culte avait déjà commencé. Et Dieu m'a libéré. J'étais addict au football. Je pouvais passer 3-4 matchs devant une télévision. Et Dieu m'a libéré. Mais je n'avais pas le temps pour prier le Seigneur. Voilà. Toutes ces choses, je vous le dis, c'est ce que moi j'ai vécu. On peut être addict à quelque chose. Mais Dieu est celui qui libère. On chante un dernier chant et puis Hervé, je te laisse la parole. Et j'aimerais vous inviter simplement. Dieu, les enfants, on va chanter Libéré. Et puis on laissera. Vous voulez passer, chanter, libérer. Et Dieu peut vous libérer. Peut-être que vous luttez contre une addiction quelconque. Peut-être luttez-vous contre
les écrans, ça ne concerne pas les enfants. Merci. Je vais appeler mon frère Herbert. Et donc, Dieu m'a libéré. Aujourd'hui, je trouve beaucoup de joie à saluer, au fait, les personnes. Moi, je salue n'importe qui dans la rue. Et peut-être que Dieu veut que vous puissiez simplement saluer votre voisin. Ça peut le libérer. C'est un témoignage pour nous. Voilà, nous allons prier pour le message. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as préparé nos cœurs depuis chez nous. Et Seigneur, pour que nous puissions être ce terrain fertile qui va recevoir, Seigneur, ta parole. Nous prions, Seigneur, ma prière est que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Seigneur, une fois sortis, Seigneur, de ce local, que nous puissions oublier déjà ce que nous avons appris. Père, tu vas, par ce message, guérir les malades. Par ce message, Seigneur, tu vas restaurer, Seigneur, les couples abîmés. Seigneur, tu vas, éternel mon Dieu,
donner, Seigneur mon Dieu, de l'assurance à tous ceux qui ont perdu tout espoir. Père éternel, tu es Dieu. Je bénis mon frère qui va parler, Seigneur, de ta part. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, c'est bon? Ok. Bon, en tout cas, ça fait un plaisir de vous voir tous. La salle est presque bien remplie. Juste donner quelques nouvelles avant la prédication. Donc, notre pasteur est en congé. Il a besoin de repos aussi avec sa famille. Donc, on profite du moment qu'il puisse profiter de ce temps-là pour se réquinquer et puis revenir en forme pour la nouvelle année qui arrive. Et il y a notamment le pour ça. Et pour la vie d'église, donc pour les vacances d'été, on a prévu d'alterner entre maison ouverte une semaine et puis tous ensemble à l'église. Donc cette semaine, enfin la semaine qui va arriver, ça sera un tous ensemble le vendredi à 20h à l'église. Ouais. Et puis la semaine d'après, vos portes seront ouvertes pour inviter les frères et sœurs. Donc semaine prochaine, vendredi, tous ici à l'église. C'est bon? Ok. Alors, si je vous pose cette question, quand est-ce que vous avez crié de joie pour la dernière fois? Ce matin. Ce matin? Je m'attendais à cette réponse maintenant. Oui, mais j'ai entendu en tout cas, j'ai vu de la joie, mais pas de cri de joie, mais de la joie, j'en ai vu. Mais imaginez qu'un jour, un patron d'une chaîne de commerce vous appelle et vous annonce que vous avez été tiré au sort pour des courses gratuites à vie. Qu'est-ce que vous allez dire? Ah oui. Oui, hein, plus d'inflation, vous allez plus subir l'inflation, la hausse des prix sur les produits alimentaires. Ça n'aura plus d'impact sur vous. Vous allez avoir une ligne de budget supplémentaire, voilà, budget alimentation affecté à autre chose. Et je pense en effet que même moi, je crierai de joie. Mais ce sera une joie de courte durée, je pense. Il y a 2 semaines, Valdo a prêché sur le psaume 32 de David, qui exprimait sa joie d'être pardonné. Et il se terminait par ces mots-là, au verset 10 et 11. « Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. » C'est comme ça que se terminait le psaume 32. Et aujourd'hui, on fait la suite, donc le psaume 33, qui est également une invitation vraiment à la joie. Et on voit vraiment que la joie de Dieu est la joie qui libère. La joie de Dieu est la joie qui libère. Dans psaume 32, moi je lirai dans la version parole de vie, qui m'a semblé la plus appropriée, et que ça sera affiché, mais je vous laisse le temps de trouver pour vérifier que ce que je dis est bien conforme à la parole de Dieu. Dans psaume 33, on lira d'abord les versets 1 à 9. Bon, j'attends, j'entends quand des pages qui se tournent. Ça y est. Criez de joie pour le Seigneur, vous qui lui obéissez. Pour ceux qui ont le cœur pur, il est bon de chanter sa louange. Merci. Remerciez le Seigneur avec la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez pour lui un chant nouveau. Rythmez bien vos cris de joie avec tous vos instruments. Oui, les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance en tout ce qu'il a fait. Le Seigneur aime ce qui est juste et en accord avec la loi. L'amour du Seigneur remplit la terre. Par sa parole, le Seigneur a fait le ciel. Par le souffle de sa bouche, il a fait toute l'armée des étoiles. Derrière un grand mur, il rassemble l'eau des mers, les océans, et les garde en réserve. Que toute la terre respecte le Seigneur, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il a parlé et le monde a commencé. Il a commandé et cela est arrivé.
Il y a dans ce psaume de David vraiment un témoignage de son expérience avec Dieu. Et il poursuit un peu dans le même thème que dans le psaume 32, avec la même euphorie, en demandant de crier pour le Seigneur. Et les versets 1 à 3, on le voit dans les versets 1 à 3 notamment. Et moi, en lisant ça, je me suis dit, on a vraiment l'impression qu'à cette époque, déjà, la musique prenait vraiment une part très importante dans l'adoration et la louange à Dieu. Certes, à cette époque, ils n'avaient pas autant d'instruments que nous, des instruments modernes comme la batterie, la guitare, le piano, mais ils faisaient avec les moyens qu'ils avaient pour pouvoir composer une adoration, une louange qui soit agréable à Dieu. Et ce qui m'a le plus interpellé finalement aussi dans ce texte, c'est de voir qu'il est en train de dire qu'il faut le faire avec joie. Et je pense que c'est un encouragement pour nous, et c'est ce qu'on a exprimé ce matin, chanter notre louange et notre adoration à Dieu dans la joie. Et une chose qui est surprenante également, à laquelle il faut faire attention, en lisant bien le texte, on voit que David, finalement, n'appelle pas tout le monde fait, à louer, à crier de joie pour Dieu. Quand on regarde dans les premiers versets, 3 encore une fois de plus, on voit qu'il dit « Criez de joie pour le Seigneur, vous qui obéissez, vous qui lui obéissez. Pour ceux qui ont le cœur pur, il est bon de chanter sa louange. » Et quand on voit les raisons pour lesquelles le roi David a écrit le psaume 32, qui précède donc celui d'aujourd'hui, on peut se poser vraiment la question, est-ce que lui-même faisait partie en fait de ces personnes qui étaient obéissantes à Dieu, qui avaient le cœur pur? Il faut se rappeler que quand il a écrit ce psaume 32, c'était pour chanter sa joie d'être pardonné. Donc, s'il chante sa joie d'être pardonné, c'est qu'il a commis une faute. Est-ce alors on pourrait dire qu'il était juste? Notre manière de dire obéir à Dieu, celui qui obéit à Dieu, est traduit dans la version second 21 par le juste. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que David était juste au point de se dire, moi aussi, lui aussi pouvait crier de joie? Est-ce qu'il avait le cœur pur? Alors, j'ai cherché quelques définitions du mot juste pour mieux comprendre. Et j'ai utilisé d'abord le dictionnaire pour faire plus simple. Donc, j'ai utilisé le dictionnaire Larousse et qui dit ceci c'est quoi un juste? D'abord, ce qui est juste, ce qui est conforme à la loi, à l'équité. C'est ce qui apparaît fondé et légitime. On dit en général, c'est pas juste ou c'est juste, donc il faut que ce soit fondé et légitime. Alors, un juste, c'est donc quelqu'un qui a le souci de la justice. C'est celui qui a le souci de se conformer à la loi. C'est quelqu'un qui respecte le droit et l'équité. Ça, c'est ce que dit le dictionnaire. Et ce n'est pas à confondre avec le titre de juste qui est accordé par l'État d'Israël aux non-juifs qui ont préservé les juifs justement de la persécution nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. David n'est pas juste au sens propre du mot, selon les critères de Dieu. Au sens propre du mot, David n'est pas juste. Mais il bénéficie d'un privilège qui est accordé à toute personne qui adopte la même attitude que lui. Et reconnaître sa faute devant Dieu, la regretter et décider de ne plus la commettre. En tout cas, avoir cette volonté de ne plus la commettre. Et c'est ce qu'on appelle la repentance, changer de direction. Et Dieu, dans ce cas, considère la personne comme juste parce qu'il a pardonné sa faute avouée. Et si cette vérité, Dieu pardonne, est très claire dans le christianisme, qui est basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'était déjà d'actualité même dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme. Je vous cite deux versets. Proverbe 28, 13 dit ceci. « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais en aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » Un autre,
verset toujours dans l'Ancien Testament, et cette fois-ci, c'est dans Ézéchiel 18, verset 32. Ézéchiel 18, 32, et je lis dans la version Second 21. En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur, l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur, l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. Et l'un des textes que j'affectionne, en tout cas, que vous pourrez lire chez vous, c'est le psaume 103, qui nous montre combien Dieu nous regarde avec amour et combien il éloigne de nous nos fautes, nos transgressions. Et cela vraiment témoigne du fait que Dieu pardonne. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean nous a laissé clairement un texte qui dit que Dieu pardonne. C'est 1 Jean 1, le verset 9, qui nous dit que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et ça, c'est la promesse de Dieu envers tous les hommes. Ce n'est donc pas à cause de son attitude irréprochable que David peut se compter parmi les justes, mais c'est uniquement grâce à sa foi dans les promesses de Dieu. Et si donc vous aussi vous êtes dans cette situation où peut-être que vous avez commis un péché, retenez cette promesse que Dieu pardonne les fautes quand elles sont avouées et quand elles les regrettent. Si vous avez fait quelque chose de très grave contre quelqu'un de très puissant et que vous redoutez sa réaction, sa vengeance, si cette personne vous invite, je pense que vous ne serez pas du tout rassuré d'y aller. Vous déclinerez sans doute l'invitation. Mais David, qui a commis un péché grave quand même, il a commis un adultère, il a fait tuer une personne, est certain de pouvoir s'approcher de Dieu. On peut se dire, pourquoi? Quand on connaît Dieu, et encore, pour eux, c'était encore plus flagrant, la puissance de Dieu et sa colère qui s'exprimait parfois par des sentences immédiates. Comment David peut-il avoir cette certitude? Parce que David a confiance en l'Éternel et en ses promesses. On dit que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce qu'a entendu David, c'est la parole de Dieu qui lui a été transmise par son père, qui lui-même l'avait reçue de son père auparavant. Et ainsi de suite, on peut remonter jusqu'à Abraham. Et c'est ça, la transmission. Et c'est vraiment important pour nous également aujourd'hui de pouvoir transmettre la parole de Dieu fidèlement à nos enfants, à ceux qui nous entourent. On ne peut pas jouir d'une promesse si on ne la connaît pas. On ne peut jouir d'une promesse que quand on la connaît. David connaissait la promesse de Dieu et pouvait alors en jouir. David a expérimenté par lui-même une relation avec Dieu. Et c'est ce qu'il exprime au verset 4 et 5. Oui, les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance, pas en une seule parole, mais en tout ce qu'il fait. Moi, je suis vraiment impressionné par ça. On peut avoir confiance en tout ce que fait le Seigneur. Et c'est ce que dit David, parce que lui-même, il a expérimenté vraiment dans sa relation avec Dieu. Il dit encore, le Seigneur aime le juste. Le Seigneur aime ce qui est juste. Ça veut dire que Dieu fait ce qu'il dit. Mais s'il a fait une promesse, il la respectera parce que Dieu est juste. Il accorde à quiconque qui respecte le processus du pardon, le pardon. Et ce processus, c'est la grâce. C'est uniquement reconnaître et regretter. C'est ainsi qu'on obtient le pardon en Jésus-Christ. L'amour du Seigneur remplit la terre, dit le texte. Et on peut avoir du mal à apprécier cette phrase quand on regarde notre monde, quand on entend parler de guerre, de catastrophe, de meurtre, de tuerie, d'animosité. On peut se dire, est-ce que l'amour du Seigneur remplit vraiment la terre? Vous direz quoi, vous? Si on vous disait, l'amour du Seigneur remplit la terre, vous direz Amen? Ah, j'espère que oui. Oui, oui, Amen. Amen. Amen.
Et malheureusement, c'est vraiment un frein pour certaines personnes qui connaissent mal Dieu ou qui ne connaissent pas Dieu et son projet, qui pensent à tort que si le mal subsiste dans ce monde, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Ils disent que si Dieu existait, ben le mal n'existerait pas non plus. Et le pire, c'est que ces personnes oublient parfois qu'elles-mêmes sont auteurs de ce mal, qu'elles-mêmes parfois font du mal aux autres. Et pourtant, elles disent, si Dieu existait, le mal n'existe. Si Dieu existait, le mal n'existerait pas non plus. L'amour du Seigneur remplit la terre et c'est une certitude. Et je pense que pour nous, pour pouvoir regarder le monde tel que Dieu le voit, il faut le regarder avec une perspective éternelle. Dieu veut donner à tout homme l'occasion de passer l'éternité avec lui. Dieu veut donner à tout homme la possibilité de passer l'éternité avec lui. Nous sommes pèlerins ici-bas sur terre. Un jour, chacun de nous devra partir de ce monde. Nous serons alors dans un monde parfait pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ et en Dieu, et dans la présence glorieuse de Dieu. Et ça, David, qui n'avait pas toute la Bible rassemblée comme nous aujourd'hui, n'en doutait pas. Il avait déjà cru que Dieu, un jour, le mettrait dans un monde parfait avec tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, en lui, en Jésus-Christ. En rappelant que l'Éternel est le Créateur du ciel et de la terre, que c'est lui qui détient le secret de l'eau, qu'il cantonne, qu'il délimite pour permettre la vie, s'il y avait de l'eau partout, nous ne serons pas là aujourd'hui. David veut vraiment conforter notre foi et nous dire que si Dieu a créé le monde par sa parole un jour, il est capable aussi de créer ce monde parfait, ce monde où il n'y aura ni larmes, ni douleurs, ni pleurs, ni grincements dedans. C'est parce que Dieu a déjà fait que nous pouvons avoir confiance qu'il fera encore. Et il termine même par le verset 9 qui dit « Car il a parlé et le monde a commencé. Il a commandé et cela est arrivé. » Ça nous montre la toute puissance de Dieu qui est capable de faire ce qu'il veut et ce qu'il dit. La joie véritable vient de connaître Dieu et ses promesses et de pouvoir se les approprier. Les versets 10 à 15, cette fois-ci, toujours dans la version parole de vie. Le Seigneur défait les plans des peuples, il détruit tous leurs projets. Le plan du Seigneur existe pour toujours. Les projets de son cœur sont valables de génération en génération. Il est heureux le pays qui a le Seigneur comme Dieu. Il est heureux le peuple que le Seigneur a choisi comme son trésor. Du haut du ciel, le Seigneur regarde. Il aperçoit tous les humains. Du siège où il est assis, il observe tous les habitants de la terre. C'est lui qui a formé le cœur de chacun. Il connaît toutes leurs actions. Dans le psaume 31, qui est donc deux psaumes en arrière, on voit que David est pourchassé par son fils qui voulait son trône et il est abandonné par la plupart de ses sujets, la plupart de ses amis. Il est même acculé parce que tous considèrent que s'il en est arrivé ainsi, c'est à cause de sa faute, à cause de son péché et que c'était que le châtiment en fait mérité. Il le méprisait. Ainsi, la grâce du pardon qui subsiste. Et en restaurant David au trône, Dieu a quelque sorte contredit les mauvais plans de ses hommes, ses plans malveillants, et annoncé contre David. Et c'était également un moyen clair d'exprimer le pardon, parce que si Dieu a restauré David, c'est une manière pour dire aussi, je l'ai pardonné. Il est vrai que des mauvais projets peuvent subsister, et subsistent même. Les hommes en ont déployé pour essayer d'empêcher, par exemple, les Israélites de jouir des promesses de Dieu et de prendre possession de la terre promise.
Pharaon, par exemple, devant les demandes insistantes du peuple d'Israël de les laisser partir en pèlerinage pour adorer Dieu, avait opté pour les charger davantage de travail pour qu'ils puissent oublier Dieu. Et ben, à force de travailler, ben, ils n'avaient plus d'espace pour Dieu et ils allaient oublier Dieu et oublier donc ce pèlerinage. Mais tout ça, c'était sans compter sur Dieu qui a agi de manière forte et qui a sorti de manière forte également le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Dans Philippiens 2, on voit ce que Christ a fait, ce que ça lui a coûté pour pouvoir nous racheter de la mort. Philippiens 2, versets 5 à 8. Philippiens 2, versets 5 à 8, dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Voilà ce que Christ il a fait. Il était tout en haut. Il a dit, ok, je lâche tout ça. Je lâche tout ça pour vous, pour moi. Et nous sommes vraiment le trésor de Dieu. Oui, je suis un trésor de Dieu. Tu es le trésor de Dieu et ta valeur est inestimable. Si dans notre société, la valeur des hommes est parfois donnée par la quantité de leurs richesses, ta valeur vient du fait que tu as été créé à l'image de Dieu. Et aussi, cette valeur est plus élevée encore si tu as mis ta confiance en Jésus-Christ, que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Dans notre société, pour parler de riches, on parle souvent de leur poids. Ils pèsent tant de milliards. Et j'ai regardé le classement Forbes d'avril 2023 où on disait que Bernard Arnault était l'homme le plus riche du monde et qu'il pesait 211 milliards de dollars. Il a augmenté sa richesse de 53 milliards en moins d'un an. Je vous défie de faire pareil, même la moitié. Mais tout ça, ça peut faire rêver, certes, mais devant la balance de Dieu, ça vaut zéro. C'est que du vent. Dieu regarde au cœur, et c'est ce que rappelle encore David. Dieu regarde au cœur de l'homme et non à son compte en banque. Ce sont les actes, les pensées, les paroles que Dieu sonde pour apprécier la valeur d'un homme. Et David rappelle qu'aucune action ne peut être cachée à Dieu. Il voit tout, il entend tout, même ce qui est fait dans le secret, dans l'intimité. Ce sont ainsi donc ceux qui ont choisi Jésus et qui sont ses disciples, qui sont le vrai trésor de Dieu. Le vrai trésor de Dieu, ce sont ceux qui ont choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il ne suffit pas seulement de confesser Jésus de ses lèvres, mais il faut aussi vivre selon ses commandements. Résumé en deux phrases, donc pas besoin de connaître toute la Bible, on peut vous dire, ok, moi je ne connaissais pas toute la Bible, donc j'ai une excuse. Et Dieu nous a facilité la tâche en résumant toute sa Bible, toute sa parole en deux phrases. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. Et aimer son prochain comme soi-même. Si vous faites ces deux phrases, vous respectez toute la parole de Dieu. Alors, prenons-nous aussi conscience de notre valeur. Prenons conscience du fait que nous sommes un trésor et du trésor de Dieu. Et nous ne nous laissons pas vraiment intimider parfois par des phrases qui blessent, certes, mais que ces phrases-là ne viennent vraiment pas annihiler le fait que nous sommes le trésor de Dieu. Prenons aussi conscience que Dieu regarde nos actions et que tout ce que nous faisons est structuré par Dieu, non pas pour appuyer là où ça fait mal, mais pour nous donner d'être sincères avec lui, parce que c'est dans la sincérité, justement, que notre relation avec lui peut être au beau fixe.
le verset 16 à 22. Toujours dans la version Parole de vie. À la guerre, le roi n'est pas sauvé par sa puissante armée. Le héros n'est pas délivré par sa grande énergie. Le cheval ne sert à rien pour la victoire. Sa grande force ne sauve pas le cavalier. Mais le Seigneur veille sur ceux qui le respectent, sur ceux qui espèrent en son amour. Il le délivrera de la mort et le gardera en vie pendant la famine. Et nous attendons le Seigneur. Il est notre secours et notre bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Nous avons confiance dans le Dieu Saint. Seigneur, que ton amour repose sur nous, comme nous l'espérons de toi. Une fois de plus, cela peut sembler un peu surprenant d'entendre David dire qu'une armée puissante ne sert à rien, qu'un cheval, aussi rapide soit-il, ne sert à rien, qu'il ne sauve pas. Lui qui était quand même un vaillant guerrier, qui a mené des batailles, qui en a remporté plusieurs, il connaît quand même l'importance d'une armée. Il sait également que le cheval, bien sûr, ça peut te sauver la vie. Si tu es pourchassé, tu as cheval, plus vite tu courras, plus vite tu échapperas à tes ennemis. Et pourtant, il dit que tout cela ne sert absolument à rien. Et c'est comme si on disait aujourd'hui qu'on pouvait gagner une guerre entre deux nations sans missiles. Je pense que c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, on est même passé à des armes encore plus petites et plus sophistiquées, comme les drones, par exemple. Mais moi, je pense qu'il faut là apprécier en tout cas l'humilité de David, une fois de plus, qui reconnaît tout simplement que par ses propres forces, il ne peut rien faire. Il ne peut faire grand-chose par ses propres forces. Mais en mettant son espérance en Dieu, sa foi en Dieu, il peut en faire des grandes. Et je vous invite aussi à avoir peut-être un autre regard sur ce texte, en considérant que cette bataille qui est là n'est pas une bataille physique, matérielle, mais c'est une bataille spirituelle. Dans la version français courant, les versets 18 et 19 donnent ceci. « Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté, pour les arracher à la mort et les garder en vie, même en temps de famine. Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté, pour les arracher à la mort et les garder en vie, même en temps de famine. » La mort spirituelle, c'est l'éloignement définitif et irréversible de la présence de Dieu. C'est être indéfiniment du côté de l'ennemi de Dieu, le diable, et de subir la sentence qui lui est réservée. Hélas, ceux qui refusent la main tendue de Dieu de leur vivant risquent cette fin le jour du jugement. Cependant, Dieu veille sur ceux qui ont le désir de lui plaire, ceux qui ont le désir de faire sa volonté, ceux qui ont le désir d'accepter son autorité dans leur vie. Ainsi, même quand ils traversent le désert, une épreuve, le Seigneur demeure leur abri. C'est lui qui est le secours infaillible devant le péché, notamment. Et la famine, je la vois un peu comme ça, la famine qui est décrite dans le texte, on peut la voir comme une famine spirituelle quand on n'a plus de force. Et quand on lutte contre un péché, Dieu se révèle alors le bouclier, le protecteur qui régénère pour permettre de traverser l'épreuve. Il arrache le pécheur à la mort. Et c'est bien ce que Dieu et Christ a fait pour nous. Ça pouvait paraître une mission impossible pour les hommes, être arrachés à la mort. Ils étaient pris dans ce piège. Mais ce n'était pas impossible à Dieu et à Jésus-Christ. Lui, qui était sans tache, il a été la rançon de nos fautes. Et c'est par sa mort et sa résurrection que nous sommes rachetés, que nous sommes arrachés à la mort et que nous sommes enfants de Dieu. Aucun homme, sauf Jésus, ne peut se targuer de n'avoir jamais péché. La Bible nous rappelle également que la conséquence du péché, son salaire, c'est la mort. Et nous étions tous dedans, tous sans exception. Notre salaire que nous méritions, c'était la mort. Mais il a plu à Dieu de nous arracher à la mort. Et c'est pour ça, je pense, que dans ce texte, il est évoqué la délivrance
ta délivrance, que Dieu délivre. En fait, on ne peut pas délivrer quelqu'un qui n'est pas en danger, il n'a pas besoin d'être délivré, vous êtes d'accord avec moi? Si on parle de délivrance, c'est que cette personne, elle est en danger. Et nous tous, tous les hommes, nous étions en danger. Et Christ nous a arrachés à la mort. Et contrairement aux armes matérielles qui sont inefficaces devant le péché, Dieu, par l'apôtre Paul, nous a donné des armes, une liste d'armes qu'on peut et qu'on doit utiliser quand nous sommes dans l'épreuve, et même dans notre vie de tous les jours, tout simplement. Et ces armes, vous les trouverez dans Éphésiens 6, alors je ne vais pas le développer, dans Éphésiens 6, les versets 11 à 17, on voit qu'il y a la vérité, la justice, le zèle pour annoncer l'évangile, l'évangile de paix, la foi, l'assurance du salut et la parole de Dieu. La vérité, la justice, le zèle pour annoncer l'évangile de paix, sans doute pour qu'on soit plus nombreux et à s'encourager. La foi, l'assurance du salut, pour se rappeler que peu importe, l'amour de Dieu ne peut s'éloigner de moi. Et c'est l'assurance du salut. Peu importe ce qui arriverait, l'amour de Dieu demeure constant. L'assurance du salut et la parole de Dieu. Le psalmiste David peut être alors dans la joie, car sa confiance est dans le Dieu saint, le Dieu qui est sans faute, le Dieu qui est immuable, qui ne change pas. Et cette confiance est encore confirmée dans le verset 22, et d'une manière, moi je trouvais très 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 profonde, comme vraiment une prière. Seigneur, que ton amour repose sur nous, comme nous l'espérons de toi. Seigneur, que ton amour repose sur nous, comme nous l'espérons de toi. Son espérance est si profonde que David la met au même niveau que l'amour de Dieu. Quelle foi! Je ne sais pas si vous pouvez dire que votre espérance en Dieu est pareille que son amour envers vous. Et quand on se rappelle que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ça montre bien que l'amour de Dieu est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Et David lui dit, son espérance est pareille. C'est pareil que l'amour de Dieu. Ça montre vraiment qu'il a une pleine confiance en Dieu. Je ne sais pas si je suis capable de pouvoir le dire, moi, aujourd'hui, mais j'espère, en tout cas, que ma foi soit ferme et que je tienne dans l'amour de Dieu. La barre est haute, elle est très haute, mais une fois de plus, je pense que nous pouvons compter sur les promesses de Dieu et sur celle de Jésus-Christ qui a dit que sans lui, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais avec lui, nous pouvons donc faire des choses. Nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte, avec respect, dès aujourd'hui et pour l'éternité. Et cette invitation, elle ne vient pas de moi, elle vient de Jésus-Christ, une invitation qu'il a faite à tout homme, à toute femme, à toute l'humanité. Dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous avez accepté cette invitation de Jésus, soyez sûr de son amour. Et comme David l'a dit au verset 22, que nous aussi, nous puissions fonder notre espérance en son amour. Et nous rappelons-nous également que cette joie que nous avons aujourd'hui, elle est permanente et qu'elle est en Dieu uniquement. Elle peut être ternie et même interrompue par des épreuves. Mais la perspective de la vie éternelle est vraie. Et c'est ça notre force. Et c'est ça notre espérance. Et si vous n'avez pas encore fait ce choix d'accepter l'invitation de Jésus, ben je vous invite vraiment à le faire. Et à accepter cette main tendue de Dieu pour pouvoir chanter également et pousser des cris de joie. Dieu n'est pas le père fouettard. Peu importe le milliard, des milliards de fautes que vous avez faites, Dieu veut les pardonner en Jésus-Christ. C'est ce que, en tout cas, je nous invite à faire,
à chanter notre joie parce que c'est Dieu qui accomplit tout pour ses enfants. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci encore pour l'exemple de David. C'est vrai que on dit souvent de lui et on dit de lui qu'il est l'homme au cœur selon toi. Et merci Seigneur pour ces vérités qu'il avait comprises avant même qu'il ait toute la Bible soit rassemblée. Et merci de l'encouragement que c'est pour nous aujourd'hui de savoir que même si nous commettons aujourd'hui une faute et que nous reconnaissons cette faute, que nous te l'avouons et que nous la regrettons sincèrement, Seigneur, tu nous pardonnes. Merci au Seigneur de savoir que nous sommes un trésor à tes yeux et que pour nous, tu as payé le prix fort. Et merci Seigneur de nous montrer encore que tu es le Dieu qui nous donne la vie, une vie en abondance. Et nous prions Seigneur pour que les événements de la vie, que les épreuves que nous pouvons subir au Seigneur, ne puisse jamais ternir notre amour pour toi et notre espérance en toi. Et comme le dit le chant, c'est plus près serait l'adversité, mais plus près encore que toi, Jésus, tu sois. Et c'est vraiment notre cri à toi. Et nous voulons chanter de joie parce que tu es le Dieu tout-puissant, celui qui est élevé au-dessus de tout, celui qui mérite la louange et l'adoration de toutes les nations, de tous les peuples. Et pourtant, tu nous appelles, nous, à venir, à célébrer cette joie avec toi. Et ce n'est pas parce que nous avons remporté des guerres, nous avons remporté des batailles. Non, c'est tout simplement parce que nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, le Sauveur que tu as placé pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Que, Seigneur, ton amour soit clair pour ceux qui ne l'ont pas encore compris. Et je prie au Seigneur pour ceux qui ont du mal à percevoir ton amour dans ce monde à cause des actes des humains, à cause de la méchanceté du cœur de l'homme. Montre-leur au Seigneur que tu es bien différent de la perception des hommes et que toi, tu veux la beauté, que tu veux l'harmonie. Et d'ailleurs, tu le dis, Seigneur, que nous devons nous aimer les uns les autres. Ça nous montre que toi, tu es pour la paix, que toi, tu es pour l'entraide et que toi, tu es pour un monde parfait. Et ce monde parfait, tu le rétabliras un jour parce que tu es Dieu et que tu l'as promis. Merci pour la vie. Merci pour l'espérance vivante que tu nous as donnée. Sois notre Dieu à jamais. En Jésus. Amen. Merci beaucoup à notre frère Albert. Et Dieu est fidèle. Nous sommes les trésors de Dieu. Waouh! Oh là là! Je ne sais pas, quand vous vous réveillez le matin, vous vous dites: je suis le trésor de Dieu. Et nous nous réveillons, vous dites: oh, encore c'est lundi là. Demain lundi, tu te réveilleras, tu te diras: je suis le trésor de l'Éternel. Je suis le trésor de Dieu. Ce que je vous dis, ça vaut aussi pour moi. Nous allons chanter donc ces chants qui dit, nous allons nous lever, nous allons chanter ces chants et je vous demanderai aussi un peu de patience. Nous allons encore chanter un deuxième chant à l'Éternel. Et comme
dire dans mon témoignage que Dieu m'a délivré, m'a libéré, comme l'a dit. Et Dieu m'a libéré. J'avais pas les mots pour exprimer aux enfants. Dieu m'a libéré aussi des films qu'on appelle adultes. J'avais pas les mots en fait pour l'exprimer devant les enfants. Dieu m'a libéré des succès films de mon ami, la pornographie. J'ai baigné là-dedans. Et peut-être que tu luttes aussi avec ça. C'est ce que le Seigneur m'a dit cette semaine, c'est de veiller à nos enfants. Parce que nos enfants naviguent sur Internet et nous ne savons toujours pas ce qu'ils peuvent regarder. Bien aimé, Dieu, c'est lui qui libère. Jésus m'a libéré de la pornographie. Et je voudrais encore dire merci. Et il peut le faire avec vous. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Amen, ensemble. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, c'est fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang. Parce que tu délivres, Seigneur, nous te confions notre semaine entre tes mains. Seigneur, que tu puisses veiller sur chaque famille. Seigneur, ceux qui sont avec nous, mais ceux qui ne sont pas là. Seigneur, nous prions que tu veilles, Seigneur, sur chaque famille. Nous prions que tu donnes, éternel mon Dieu, des réponses à ceux qui sont dans le doute, que tu puisses rassurer, Père. Si tu es malade, j'ai prié que l'éternel ton Dieu te guérisse au nom puissant de Jésus. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne vous nuira. Et au nom puissant de Jésus, que tu sortes de la dépression, que tu sortes de l'anxiété, que tu sortes, oui, de ces problèmes de tension, que tu sortes de cela. Au nom puissant de Jésus, toute maladie liée au sang, au cœur, aux poumons, aux jambes, aux l'arthrose et tout ce qui peut te déranger soit anéanti dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu, tu prends, nous sommes ton trésor. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ être, je n'ai jamais vu dans l'évangile qui dit Jésus est tombé malade et c'est lui qui ne tombe pas malade, vit en nous. Donc ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi Seigneur Jésus qui vit en nous. Seigneur, que l'honneur, la gloire, la louange, que l'Éternel fasse de vous du bien cette semaine, que l'Éternel bénisse votre famille, nos familles, que le Seigneur prenne soin de notre pasteur qui n'est pas là, sa famille. Béni soit ton nom, nous bénissons cette région, que nous soyons. Souviens-toi que tu es le trésor de Dieu. Ouais.
et que tu es les témoignages de Dieu dans cette mission, dans cette région. Tu as reçu l'Esprit de Dieu pour témoigner de lui. Donc sois fort, sache que tu es le trésor du Seigneur, une perle pour Dieu, tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que tu fasses du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Passez une excellente semaine dans la présence de notre Dieu. Amen, au nom de Jésus. Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour l'équipe de louanges qui était là. Soyez fortifiés. Amen. Bonne semaine à vous. Que Dieu vous bénisse.